Maybe it's 3 a.m. and you on my mind. Yo tout le monde, on est parti pour l'épisode 4 exactement sur The Forest. Donc on fait une petite pause, donc on reprend un peu plus tard dans la journée, on continue. On vient juste de démarrer la journée. Ah merde. Faut que tu manges. Oh bloque le vas-y. Tue-le. Ah putain il est parti là-haut. Faut que tu manges. Tu m'as fait qu'un bouffe. Ok impeccable. Yes. Je garde la mienne pour la fin de journée. C'est bon je suis full vie, hein, je suis full bouffe. Par contre l'eau ouais il va falloir qu'il pleuve. On boit pas tant que c'est vraiment pas urgent. Mais il y avait une source d'eau à côté, je crois. Il y avait une source d'eau pas loin. On va aller voir. Oui. Bon, bien, on va aller voir une source d'eau. Il y a plus. Attends, bah là, on peut sauter vu que. Attends, on va d'abord finir. Ouais, une source d'eau. Alors, je prends du bois, moi. T'es plein pour le petit bois. Ah, merde, je suis plein. Tu ramasses pas, je prends les feuilles un peu. Attends, moi, c'est fait. Hop, un peu de feuilles. Y'a pas de source d'eau? Oh, y'a pas de source d'eau. A priori, non, y'en a pas. On va devoir boire. De toute façon, on va boire une canette et quand il va pleuvoir, il devrait pleuvoir aujourd'hui ou demain, normalement. C'est les canettes de soda, faudrait éviter les boire. Hein. C'est vraiment qu'il y a d'urgence là, mais là. Là-bas, on doit choper des tortues! Viens si on peut choper une tortue ou deux. Chacun une tortue, comme ça on pourrait avoir une carapace plus de la bouffe. Ok. Pas de tortue. De toute façon, on fera le bateau. Ouais, mais ça va, t'inquiète pas, faut juste faire gaffe. T'inquiète, on est full ou vie. Vas-y, je vais boire un coup, je vais boire une canette. Je bois juste une petite canette. Quand t'es très bas, hein. Quand t'es à moitié, ça sert à rien. Mais quand bah, t'es très bas, j'étais. Ouais, moi aussi. Oh putain. Oh putain, mais sérieusement. C'est bon, je l'ai eu. Oh les plumes. Ouais, les plumes. C'est bon, j'ai eu. J'en ai eu. J'ai quand même une plume, moi. J'ai 4 plumes déjà. L'oiseau, tu peux prendre la ouais, on fait un peu de plume, tiens, justement. 7 plumes, c'est pas mal. Ça nous fait 7 flèches. C'est une plume pour flèche, donc ça nous fait déjà un peu de flèche. J'en ai 15. J'en ai 15. Oh, t'es bien. Tortue, tortue. Vas-y, y'en a bien. Mec, viens, on fait des allers-retours pour récupérer les carapaces. Vraiment, faut qu'on fasse ça absolument. Hop, on retourne à la maison dès qu'on l'a pris. On retourne, on laisse les deux tortues, ils vont arriver. Comme ça, on fait deux carapaces supplémentaires. Hop, on y va, c'est parti. Ah non, j'ai une idée. Ah non, mais sont les autres. Mais ils sont là. Je garde la carapace dans la main, comme ça au moins on aura une dans l'inventaire et une dans la main. Ah non, on peut pas prendre. Bon, on les prendra après, viens. On va d'abord déposer. Comme ça, mec, on a 4 sources d'eau en plus. Et on en a 6 au moins normalement. Là, on commence bien en sources d'eau après. Très bien que l'eau ça va super vite, on est d'accord. Ça c'est le truc. Donc l'objectif c'est que on fait les carapaces d'eau, on commence à faire les stockages et machin, on termine la muraille, on améliore notre base et le jour prochain on va essayer de voir pour. On n'explore pas tout de suite, on va explorer dans le temps. Quand on aura un bateau, on va explorer, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de bateau ou de radeau. Hein. Dépose-moi ta carapace ici, comme ça tu vas chercher l'eau directement, comme ça on fait que pas trop de trajet. Vas-y, dépose la carapace comme ça, moi je vais directement là-bas. Vas-y, pose là, tu fais G normalement. Tu peux la poser là. J'arrive. Je la pose. Ouais, pose là, grâce à ça, tu retournes chercher l'autre. Moi je m'occupe de celle-là. Non, faut qu'on reste coupé, c'est trop risqué. Vas-y, vas-y. Là, on aura 6 sources d'eau. On aura 6 sources d'eau. Attends, je vais les poser, t'inquiète. Vas-y. Non mais c'est trop risqué d'y aller seul. Trop risqué pour être... Pas encore. Voilà. Hop. Oui. Vas-y, commence à partir, j'arrive. Je commence à poser les sources d'eau.
Il manque plus que les deux carapaces et on est parti. Hein. On est bien là. Là en stockage d'eau, c'était. En fait, le stockage d'eau c'était trop limite là en fait. Je ramasse des feuilles. Oh, une biche! Non, 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 il faut des flèches. Parce que la biche, tu l'auras pas du tout. Mais j'ai tué, c'est bon. Sérieux? Elle est morte. Mais comment t'as fait pour bah, ça s'est stoppé devant moi. J'ai du cuir, parfait. Il y a de la viande. Nice. Bah, je prends la viande. Voilà, flemme. J'ai masse viande. Ouais, par contre, j'ai masse viande, il va falloir qu'on fasse cuire après. Oh, il y en a une deuxième. C'est bon, j'en ai tué une deuxième. C'est bon, deuxième morte. Mec, par contre, il y a de la bouffe, hein, donc je peux pas la prendre. Faut que tu me rejoignes aussi. Hein. J'arrive, je suis là. Bon, en tout cas, j'ai 4 cuirs, j'ai 3 cuirs. Que ça, on pourrait faire des fauteuils en cuir pour faire une baraque, mec. Oh, lourd. Y a de la nourriture là et y a une carapace. La nourriture, je suis plein. Moi, je peux pas. Là, j'ai 4 plus les trucs d'avion, 2 d'oiseaux, donc je suis trop. Mais go. Ouais, non, mais on s'en fout. La nourriture, on en a tellement que là, c'est bon. Là, on peut tenir une journée complète. Bon, là, on termine le carapace. Le carapace, bon, on a 6 stockages d'eau. Pour commencer, ça suffira. Après, quand il pleuvra, on ira essayer de refaire 2-3 en plus supplémentaires. Quoi. Il en faut au moins 10 pour être vraiment large. Je savais deux fois. Là, faire le soleil, il est où? Il est au milieu, ouais, il est midi. Donc là, avant qu'il fasse nuit, faut qu'on finisse la muraille. La grande muraille, mais la muraille est quasiment finie. Je fais les stockages, je me mets tous. Ouais, tu t'occupes de couper des arbres. Coupe des arbres. Vas-y, commence à couper des arbres après. Et moi, je m'occupe de préparer le terrain pour les stockages, tout ça. On va faire une zone de stockage qu'on avait fait l'autre jour. Hein. C'était bien, parce que c'était pas assez de fois. Ouais, ça serait mieux qu'il pleuve la nuit prochaine. S'il pleut pas, on est dans la merde. S'il pleut pas la nuit prochaine, bah, on est pas dans la merde, mais on va devoir boire des machins. Mais c'est chiant, parce que là, le truc qu'on boit là, c'est trop. On sera embêté, si on sera embêté. Ouais. Franchement, la petite base, j'aime pas faire les grandes bases. Que le jour, on faisait des grosses bases qui ça va. Même là, elle est trop grande en vrai, mais ça va. En vrai, non, ça va. En vrai, y'a des rochers qui me cassent les couilles, mais les rochers, on va les laisser comme ça. De toute façon, on va les bouger. Donc. Moi, hop. Et bah voilà. Ouais, ça y est. Là on a suffisamment de réserves d'eau. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu. Je fais cuire la bouffe, vas-y va couper des arbres, je fais cuire la bouffe parce que la bouffe il y en a qui vont varier pour moi. Donc je vais faire cuire rapidement. J'en fais cuire deux, t'inquiète. Ah bah j'en fais cuire une du coup. Je prends le truc d'oiseau c'est mieux. Si je m'en sers jamais. Hop voilà. Regarde. Petite bouffe. Ah attends. Merci pour toi. Merci pour les feuilles. On fera un meilleur feu de camp après, hein. Là c'est un petit feu quand même. Hein. On fera une belle base. Tu vois les fauteuils en cuir, tout ça, on va faire un truc de ouf. Hein, je veux dire. Mais plus tard, hein, là pour ça c'est un peu de la merde. Du coup, muraille, il nous manque combien? Il nous manque 27 rondins, mec. Allez, on les fait, c'est parti. Tu les fais, vas-y, commence à couper des armes. Moi je vais juste commencer à placer des stockages. Faudrait faire des stockages de petits bâtons, de pierres, de rondins de bois. C'est tout. Le mieux c'est le grand placard. Ouais, porte explosif. Oh, t'as des explosifs. Ouais, je m'occupe du bois. Ouais, par contre, t'as des portes explosifs, c'est énorme. Voilà, j'ai fait 4 gros placards déjà, les gros placards pour ranger tous les médicaments, tout ça, donc ça c'est fait. Voilà. Porte-armes, on n'a pas besoin. Porte-explosif, on ira les mettre plus tard. Nous c'est quoi? C'est. Donc tu m'as dit. Porte-explosif pour l'instant, c'est pas. Mec, forcément... viens, on fait le chariot. Je te pose le chariot, regarde. Je te mets là le chariot, on va le faire. Hop.
Ah, j'ai posé. On va le faire, chariot. C'est plus rentable de le faire. Ce sera plus rapide pour toi parce que tu vas passer toute ta vie à faire des allers-retours. Quand là, tu fais des allers-retours avec des 10 rondins par 10 rondins, voire même plus. Donc, plutôt pas mal. On avait dit, on voulait quoi d'autre? On avait dit stockage de pierre. Oui, de la pierre, les petits pour les petits bâtons aussi et les rondins. T'inquiète, je m'en occupe. Les rondins, je vais les mettre à côté, pas trop près non plus. Hop, voilà. Je mets 3 stockages à pierre quand ce sera largement tranquille pour le début. Stockage à bâton. Ok. Bonjour le cœur. Bonjour. Mais attends, ça c'est pour. Ah mais les bâtons c'est pareil pour la pierre quasiment. Bon les bâtons c'est pas trop important, on va les mettre là déjà, voilà, au moins là on a déjà des stockages. Ok. Hop, je vais t'aider à faire le chariot du coup. Les petits bois, regarde par terre, il y en a plein. Tu fais juste eux, il y en a plein partout. J'ai coupé au moins, c'est évident. Coupé, ouais. C'est bon, ouais. Je suis plein. Vas-y, j'arrive, je t'aide à finir un truc. C'est bon, il est fini. Hein. Allez, hop, tu peux le prendre. Okay. Moi, je continue à prendre du rondin pour. Ah, c'est tombé vers où? Ah, oula, c'est bon. Je suis déjà plein en rondin déjà, putain, mais ouais, attends, attends, laisse-moi prendre, attends, je vais les prendre deux secondes, hop. Là, tu peux t'en aller. Hop, là, une petite enchaîne de moi. Tu les déposes, hein, c'est moi qui les mettra, au pire c'est plus rapide. Sont où les deux autres rondins de bois? Mais j'ai déjà déposé. Ah ok. Ouais, tu déposes, j'ai déjà quoi, moi je les mettrai, t'inquiète. Faut juste toi tu. Par contre, essaie de couper plus lent, vite t'as un chariot. Essaie de couper un petit peu plus lent s'il te plaît vraiment. Essaie de garder au moins 10-15 arbres devant la maison au cas où c'est vraiment en cas d'urgence et on doit construire un truc rapidement. Tiens, prends le chariot par contre, hein, sinon le chariot. moi je vais prendre du bois encore. Attends, le bois il y en a partout. Donc par terre, j'ai un. Oui, on reste à proximité, t'inquiète. Je suis déjà plein. Ouais, faut couper les arbres beaucoup plus loin de la maison. Ouais, outé, c'est bien. Comme ça, il faut laisser au moins 5 à 10 arbres devant. Ouais, bien. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve dans l'épisode 5. Donc à tout de suite, les gens. Salut.